Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre monde, il est assez populaire de lire ou même d'écrire sa biographie. Les gens qui ont moindrement une vie un peu plus célèbre sont souvent sollicités pour ça, pour écrire un peu l'histoire de leur vie. Et il y en a peut-être parmi vous qui l'avaient fait. Parfois, des gens font ça aussi pour transmettre un certain enseignement à leurs descendants ou à leur entourage. Quand on écrit sa biographie, souvent, on va présenter évidemment l'ensemble de sa vie. Quand on écrit sa biographie, on va est amené parfois à partager certains moments de nos vies qui ont peut-être moins beaux, qui ont peut-être été plus difficiles. Il arrive parfois qu'on va donner notre version sur des choses plus difficiles. Des gens qui ont une vie un peu controversée vont se justifier à ce moment-là. Il y en a peut-être même parfois, lorsqu'ils écrivent leur biographie, qui sont tentés de cacher certains aspects. On essaie de mettre ça pour que ça paraisse plus beau. Les évangiles qu'on accueille, on pourrait dire, c'est davantage une biographie de la vie de Jésus, mais il y a aussi les disciples qui nous sont présentés dans les évangiles. Puis les disciples sont présentés aux côtés du Seigneur, et puis même si les textes des évangiles viennent des premières communautés chrétiennes où les disciples étaient, il n'en reste pas moins que dans les évangiles, la présentation qu'on fait des disciples n'est pas toujours très flatteuse. Je me suis amusé à relire l'Évangile de Matthieu, à survoler d'un bout à l'autre, et j'ai relevé 15 fois où on présentait les disciples dans des positions qui les avantageaient pas trop, qui suffisent de penser à la tempête apaisée, où les disciples sont en panique, qu'on puisse penser aussi à la multiplication des pains, où là, les disciples ne comprennent pas ce que Jésus veut faire. Et on peut penser à des choses encore plus compromettantes quand les disciples se cherchent à se tailler une bonne place, encore plus quand c'est Pierre qui va renier Jésus et finalement, évidemment, le sommet, la trahison de Judas. On n'a pas senti le besoin dans les évangiles de cacher ces traits de faiblesse qu'on pourrait dire des disciples, on l'a révélé. Puis on en a un encore dans l'évangile d'aujourd'hui, alors qu'on nous dit les disciples se prosternent, mais certains ont des doutes. C'est quand même surprenant, parce que là, on est rendu après les apparitions, à la fin des apparitions de Jésus. Ils ont vu non seulement sa mise à mort, mais ils ont vu sa résurrection, ils viennent de contempler les apparitions, puis là, Jésus leur apparaît de nouveau, et on nous dit, ils ont encore des doutes. Et les disciples ne cachent pas ça. C'est resté dans le récit. Est-ce que ce ne serait pas un peu pour nous faire comprendre que dans l'expérience des croyants, l'expérience de la foi, le doute a aussi sa place? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire comprendre que c'est normal dans une vie de croyant d'avoir sa part de doute, d'avoir sa part d'incompréhension? Les disciples en ont eu un peu tout au long de leur vie et même à ce moment-là. Et Jésus, lui, par rapport à ce doute que les disciples ont, ces difficultés qu'ils ont encore un peu, semble-t-il, à le reconnaître, Jésus les choisit quand même. Jésus les envoie en mission. Il n'envoie pas des gens qui sont parfaits, puis qui ont une foi nécessairement qui apparaît à toute épreuve, mais même avec leurs limites, même avec leurs doutes, même avec leurs inquiétudes, il les envoie en mission. Alors nous, comme croyants, devant ses disciples, il me semble qu'il y a là quelque chose d'un peu rassurant. La foi,
se vit souvent avec sa part de questionnement, sa part de doute. C'est normal. La foi, c'est de croire des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est de mettre sa confiance en Dieu, même si parfois il y a des évidences qui nous manquent. La foi, c'est d'avancer à un moment donné en s'abandonnant à lui, en étant confiant qu'il va être là, qu'il va nous accompagner, qu'il va nous donner son soutien. Et l'abandon, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est exigeant. Les doutes dans notre foi, c'est peut-être ce qui montre que c'est une vraie foi, c'est-à-dire c'est un abandon à Dieu, c'est un avancement un peu parfois dans le vide, dans la noirceur, mais dans la confiance en Dieu. Alors, il nous est bon en ce jour où on célèbre l'Ascension, où on dit que Jésus disparaît, n'est plus visible au regard des disciples, il est bon de réaliser que c'est ainsi que nous sommes nous aussi. Nous n'avons pas la grâce de voir le Seigneur comme ça, présent à chaque jour, pour nous rassurer, pour nous solidifier, pour nous donner de ne pas avoir aucun doute. Ces doutes peuvent être là dans notre vie, mais nous sommes appelés, comme les disciples, à faire l'acte de foi, à nous appuyer sur les promesses que Jésus a faites. Il a dit qu'il serait là chaque jour jusqu'à la fin du monde. Puis quand ça nous est plus difficile, bien, on peut aussi s'appuyer sur les gens autour de nous qui partagent la foi, qui sont plus croyants que nous, peut-être à certains niveaux, qui nous apparaissent ainsi. S'appuyer sur leurs témoignages, s'appuyer sur leur cheminement pour nous solidifier lorsque notre expérience de nous est plus difficile. Donc, en ce dimanche, je vous invite à présenter peut-être ces doutes que vous pouvez vivre dans votre foi, de les présenter au Seigneur, et d'accueillir ce fait que le Seigneur vous promet d'être toujours à vos côtés, d'accueillir ce fait que le Seigneur vous choisit quand même, malgré les hésitations, malgré les manques de confiance. Il veut faire de chacun de nous des disciples, des gens qui témoignent que ce ressuscité qui est maintenant au ciel, il est bien quand même, continue à être bien vivant, il continue à nous accompagner, il nous continue à vouloir nous guider dans notre vie. Alors, pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre, pour tout ce qu'elle vous réserve, je vais demander au Seigneur de vous accompagner de sa bénédiction et de sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.